Bonjour à tous, bienvenue sur godvision.fr. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de pouvoir aller à la rencontre de l'artiste Jerdine Laguerre, une haïtienne, qui a accepté de pouvoir nous recevoir pour une interview. Papi, aime sous Jésus, moi connais son bon ami, Jean-Méli, pape jamais quitté, yon petit li mal passé, seulement ça besoin qu'on ait. Est-ce que vraiment c'est chrétien? Tant pour perdre, pour bouler, puis t'en souffrir ou sauver. Christ va m'abandonner, même si ouais, maman, y a tout noir. Christ va pésant la guerre, même si tout le monde le veut contre tout. Christ va jamais quitter, non, difficulté. Li fidèle nan tout promes li yo, li pape. Matériel, se décourager, même le problème envahi, même la sacrétienne, Nadine. Comment allez-vous? Bien, merci vous. Ça va très bien, merci. Je vous en prie, rentrez. Nous sommes en compagnie de la sœur Jerdine Laguerre, une artiste réputée en Haïti. Nous allons peut-être faire un peu plus ample connaissance pour des personnes qui ne la connaissent pas, d'autres qui la connaissent mais qui vont avoir un peu plus de nouvelles à travers Godvision. Sœur Jerdine, dites-nous, parlez-nous de vous. Bonjour, c'est l'auditeur. Je me présente, je m'appelle Jerdine Dorvilson Laguerre. Je suis mariée avec Monsieur Dorvilson Luc Nord et je suis mère de deux enfants et je suis chantre de l'Éternel. Alors, Madame Dorvilson, comment avez-vous commencé à chanter pour la gloire de Dieu? Chanter pour la gloire de Dieu, c'est une belle histoire, comme vous pouvez dire, entre Dieu et moi. Parce que c'est quelque chose qui a commencé depuis mon tendre enfance, depuis que j'étais toute petite. Quel âge, à peu près? J'avais 6 ans quand j'ai commencé à chanter à l'église. Ah, ça, c'est jeune. Oui, j'ai commencé à l'âge de 6 ans à chanter à l'église, dans la chorale, tout ça. Mais après, je suis déménagée de mon village pour aller dans la capitale, à Port-au-Prince, en Haïti. Et puis, j'ai rencontré des amis, ils ont entendu ma voix aussi. Entre autres, il y a le maestro Frankel Bénard, un grand compositeur à moi, et le maestro Josué Gilbert, lui aussi, c'est un compositeur. Il écrit beaucoup de chansons pour moi sur mes albums. Donc, j'ai rencontré ces deux personnes merveilleuses. Ils m'ont aussi poussé dans la musique pour chanter pour la gloire de Dieu. Donc, à partir de là, vous avez embrassé votre vie d'artiste. Tout à fait. Et j'ai participé dans des concours de chant en Haïti. Un concours de chant
et en décembre pour Noël. Donc, où j'ai terminé, j'avais terminé quatrième. Voilà, je bénis le Seigneur. Amen. Et comment est-ce que vous avez trouvé cette vie d'artiste, cette nouvelle vie d'artiste que vous avez eue? C'est pas une vie qui est très facile. Donc, moi, j'aime mon Dieu, j'aime chanter pour Dieu parce que je sais que Dieu, il m'a choisi pour chanter pour lui. Voilà, c'est pour ça que je donne mon cœur quand je chante pour Dieu. Je me mets vraiment, je me mets à fond, je chante avec mon cœur, mon âme, je chante avec tout mon être. D'accord. Et ensuite, à partir de Port-au-Prince, là, vous avez commencé à faire un premier album. Oui. Je suis partie en République Dominicaine pour enregistrer mon premier album intitulé Veillez Corps, en français qui veut dire Surveille-toi. Et voilà. Il y a eu un deuxième. La grâce de Dieu, en créole, grâce bon Dieu. Et en troisième, mon histoire qui raconte mon histoire, quelque chose que j'ai partagé, c'est mon témoignage. Quelque chose que j'ai vécu avec mon Dieu. Avec ton Dieu. Oui, d'accord. Donc, vous venez de l'entendre. Nous sommes arrivés au moment où nous avons parlé de son album, donc le dernier album, son troisième album qui s'appelle Mon Histoire. Donc, parlez-nous un peu de votre histoire. Vous venez de dire que vous avez rencontré quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Je pense qu'il va même édifier nos internautes. Parlez-nous un peu de cette chose-là que vous avez rencontrée avec le Seigneur. L'album, je l'ai intitulé Mon Histoire. C'est parce que il s'est passé quelque chose après mon mariage en 2004. J'avais des problèmes, j'avais des difficultés pour enfanter. Et de là, je suis passée avec mon époux, on est passé par les méthodes que connaissez, artificielles. Hein. Voilà, on a tout essayé, mais malheureusement ça n'a pas marché. Et où mon médecin il m'avait dit qu'il y avait des limites à tout, que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et là j'ai senti que je devrais vraiment m'accrocher avec mon Dieu, parce qu'il a dit invoque-moi le jour de la détresse. Et là j'ai commencé à l'invoquer et je me suis approchée vraiment en profondeur. Et je me souviens de l'histoire de Anne quand elle priait, quand elle demandait à Dieu. Et je me suis appuyée sur cette parole, l'expérience de Anne. Et là j'ai demandé à Dieu, fais-moi grâce, donne-moi un enfant comme ça. Moi je pourrais t'offrir mon enfant parce que je veux savoir comment ça fait, le fait de porter d'être un mère. Enfant, d'être mère. Et j'ai pleuré devant Dieu. Un beau jour, je suis partie dans une église, c'est l'église baptiste Sinaï, où j'ai rencontré un homme de Dieu. Amen. Qui m'avait fait une prophétie. Dieu lui a parlé, l'Esprit de Dieu lui avait parlé. Et là, il m'avait dit, Dieu va vous bénir, Dieu va vous visiter, Dieu, il a entendu vos prières. Et là, il m'a dit que l'année prochaine, vous aurez un enfant. Et là, je bénis le Seigneur. C'est pour cela que j'avais fait mon album, je l'ai intitulé Mon Histoire. Parce que ça raconte l'histoire vraie entre Dierline, Luc Nord et notre Dieu. Vous avez un témoignage qui est fort, un témoignage qui est vraiment puissant. Est-ce que ce serait possible que vous puissiez nous interpréter mon histoire, justement? Avec plaisir. Et un petit extrait de mon histoire. Parce que c'est un album à écouter et à réécouter. Ah ben non. Parce qu'il y a tellement de paroles, c'est fort. Donc je vais partager un petit peu avec nos internautes. Amen. C'est l'histoire d'une femme à qui les médecins ont dit: désolée chère madame, mais pour vous c'est fini. Jamais vous n'aurez d'enfant, nous sommes sûrs chez madame. Jamais vous n'aurez d'enfant, nous sommes sûrs chez madame. Cette femme est allée retrouver un ami et lui a raconté le drame de sa vie. L'ami lui dit: courage, ne crains point ce présage, sois rassurée, je m'en charge. Aujourd'hui elle est heureuse, son histoire est merveilleuse. Et ses enfants vous saluent.
cette histoire c'est la mienne. Oui, j'étais condamnée à cette horrible peine de ne jamais enfanter. C'est bon? C'est l'histoire d'une femme à qui les médecins ont dit: désolée, chère madame, mais pour vous c'est fini. Jamais vous n'aurez d'enfant, nous sommes sûrs, chère madame. Jamais vous n'aurez d'enfant, nous sommes sûrs, chère madame. Cette femme est allée retrouver un ami. Certaines personnes qui sont dans les mêmes conditions, qui étaient dans les mêmes conditions que notre sœur Djarny Naguère. Et donc, à travers mon histoire, je pense que vous avez vécu beaucoup de choses à travers votre dernier album. Oui, j'ai vécu plein de choses parce que par la suite, quand j'ai su que j'étais atteinte d'un cancer, c'est là que je dis que Dieu, il est réellement grand. Parce que pour faire enfanter une femme qui est atteinte d'un cancer, des ovaires, de l'utérus, pour mettre au monde, c'est que
Moi, je me suis dit, mais ces enfants, ils sont passés où? Toujours impossible. Mais c'est tout ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à notre Dieu. Amen, voilà. Amen. Vous venez d'entendre le témoignage. Là, elle a survolé un peu, je dirais. Hein, mais à l'avenir, je pense qu'elle nous fera le témoignage complètement. Tout à fait. Hein, tout à fait, Saladine. Hein. Parce que c'est dans le projet. Parce qu'on a un livre, on est sur le projet d'écrire un livre pour le public. Donc, avec mon manager, on est en train de tourner, de faire des tournages pour les clips. Et aussi écrire un livre, parce que toutes ces expériences là, j'aimerais bien que ces témoignages touchent les cœurs, édifient tout ça et va aussi partout dans le monde, parce qu'il faut que le monde entier sache que ce Dieu là, c'est un Dieu de miracle. Il est grand, il est vivant, il est capable de faire plein de choses. Notre Dieu. Amen. Et de nous parler de vos projets futurs, parlez-nous un peu de vos collaborateurs, les personnes avec qui vous avez collaboré pour cet album. Oui, comme vous pouvez constater, j'ai pas pu réaliser ce grand travail toute seule. Ça, c'est sûr. Il y a eu plein de personnes qui ont collaboré avec moi sur cet album, parmi lesquelles j'ai mon papa spirituel. C'est le pasteur Michel Mpassi qui a chanté un titre avec moi. C'est ma prière. C'est une prière qu'on a adressée à Dieu. Et aussi, j'ai l'ingénieur James Vital qui a beaucoup collaboré dans cet album. Il a joué. Il y a mon petit frère Aurélien Nkunku. Il y a Maestro Lemaire, Atis. Il y a aussi David Bonifay qui a écrit deux titres sur l'album. Et aussi qui a chanté avec moi sur l'album. Et plein de personnes, Anne-Carole et Gisèle Alsa. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont collaboré avec moi sur cet album. Et donc, je tiens à les remercier aussi. Amen. Entendre, elle vient de parler des personnes, de nombreuses personnes avec qui elle a collaboré. Et voici son album, qui est Mon Histoire, qui est composé de 8 titres, hein, et qui est déjà disponible, qui est déjà dans les bacs. Je pense qu'à travers Mon Histoire, votre dernier album, vous avez fait beaucoup de concerts. Oui, j'en ai fait pas mal de concerts. J'en ai fait en France, je pense qu'on en a fait déjà 3. Pour la promotion de l'album, et aussi on a fait aux États-Unis, le Canada, et aussi on a aussi des projets encore pour la promotion du DVD. DVD qui va arriver. Tout à fait. D'accord. Alors, vous avez parlé de vos projets futurs, hein, de pouvoir écrire un livre, et là actuellement, je pense que vous êtes en préparation pour les clips de Mon Histoire. Oui, tout à fait. On a commencé un tournage pour le clip Mon Histoire, parce que cette belle histoire, on peut pas la gagner pour nous. Non, c'est sûr. Donc il faut qu'on partage cette histoire avec tous nos téléspectateurs. Et voilà, on a le tournage qui est en cours. On a 2 concerts prévus. Un concert en France et l'autre au Canada. Et puis après, on a aussi une tournée prévue pour les Antilles. Vous savez, je dois rentrer. Un répertoire bien chargé. À la maison pour faire un concert en Haïti. Et puis en Guadeloupe et la Martinique. Ah oui, donc c'est tout un programme. Donc je pense que vous le saurez au fur et à mesure. God Vision mettra les promotions ainsi que les concerts de la sœur Gerline. Et où est-ce qu'on pourrait trouver justement votre album, votre dernier album? Il faut juste aller sur Internet. Et normalement, quand on va sur Google, on peut. Dès qu'on tape sur Gerline Naguère, on va trouver les endroits où on peut les acheter. Oui. Voilà, plus encore, vous pouvez vous procurer l'album Mon Histoire de Gerline Naguère sur www.godvision.fr. On est à la fin de notre rencontre avec la sœur Gerline Naguère. Auriez-vous un dernier mot à dire? Tout simplement, j'aimerais vous remercier, l'équipe God Vision, pour votre démarche. C'est un bon travail que vous êtes en train de faire et je vous encourage vraiment. Et sachez que ce travail ne sera pas en vain. Le fait connaître le nom de Dieu à travers le monde entier, c'est quelque chose qui est très important. Et vraiment bravo. Et je tiens à saluer toute l'équipe de God Vision et aussi mon église, Sinaï, Église Baptiste Sinaï.
mes pasteurs et mon époux, mon tendre époux, lieutenant Davidson, et tous mes fans. Je vous aime de tout mon cœur. Et puis, restez branchés sur God Vision et vous aurez beaucoup plus d'informations très prochainement. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre interview avec la sœur Jardine Naguère. Merci de nous avoir suivis et continuez à nous suivre sur godvision.fr et que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, God Vision souhaite que vous prospérez à tous égards.